Voilà, on va passer donc à cette seconde partie de la journée. Je remercie Corinne de d'avoir voulu me donner la présidence ou la modération, un terme qui n'est guère lyotardien. Et ça me permet surtout, évidemment, de remercier Corinne, Frédéric et Gérard Rollet de ce très beau colloque, de ces 3 jours et de leur vigilance, de leur travail pour faire vivre la pensée de Jean-François Lyotard depuis des philosophes qui viennent d'horizons parfois fort différents. Et donc c'est la meilleure manière, évidemment, d'être fidèle à cette pensée. Et je voulais vraiment remercier Corinne en particulier, d'immense travail qu'elle fait autour de ce texte et de cette fidélité à l'œuvre. Je suis chargée de présenter Claire Pagès. C'est d'abord vous, Claire. Oui, je crois. Et qui est agrégée de philosophie. Elle enseigne à l'internat d'excellence de Soudun. Ouais. Encore. Elle est encore directeur du collège. Oui. Directrice de programme au Collège international de philosophie et surtout grande fidélité à l'œuvre de Jean-François Lyotard, puisqu'elle a dirigé le volume Lyotard à Nanterre, paru chez Clinique en 2010, et qu'elle est l'auteur d'un livre paru au PUF en 2011 sur Lyotard et l'aliénation. Et donc nous avons affaire à une spécialiste. Et... Merci. Merci beaucoup. Beaucoup moins spécialiste, malheureusement, que vous ne l'avez dit. Et je voudrais proposer quelques réflexions sur le rapport de Lyotard au silence. Et je vais commenter peut-être d'autres textes. Je mets mon... Alors, attention. Jusqu'à 40. Alors, parmi les représentants de ce qu'on appelle la pensée française... Lyotard est peut-être celui qui a le plus parlé du silence. On trouve quantité de textes consacrés à ce qui est sourd, inaudible ou silencieux. Je cite quelques titres, Plusieurs silences, un texte de 72, La quantité du silence, 83, les passages du différent dont Gaël a parlé, Dans l'inarticulé ou le différent même, 90, le commentaire de l'œuvre de Ruth Franken, La brûlure du silence, le texte de 91, L'inaudible, Musique mutique en 93, ou évidemment Chambre sourde, le texte publié en 98. Il y en a d'autres, évidemment, je n'ai pas pu tout relire. Les textes que Lyotard consacre au silence permettent, je crois, d'illustrer, pour le dire un peu brutalement, la philosophie de la phrase telle qu'elle s'élabore à partir de la fin des années 70 et telle que la présente l'argument du colloque, selon laquelle il n'y a pas de non-phrase, le silence n'est pas rien, mais son apparence, et il faut alors exposer la raison de cette apparence. Se taire fait phrase, dit-il, dans le différent. Le silence est une phrase, c'est la phrase silence. Et il n'y a pas également de dernière phrase, ce qui pose aussi la question du statut de la mort. Ainsi, le langage n'a pas dehors, ce qui semble ne pas en être, en relève d'une certaine manière, et le langage n'a pas de fin. C'est pourquoi, dit-il au début, mon livre s'adresse à ceux qui acceptent de ne pas venir à bout du langage. Le silence, de ce fait, n'est pas un dehors du langage, mais il constitue ce qui, dans le langage de l'intérieur, résiste à la forme discursive du langage, au discours, à la phrase que Lyotard dira articulée. Le mutisme, c'est ce que je vais essayer de montrer, est alors davantage une surdité ou un mutisme dans une langue, celle du logos, qu'une absence ou une négation absolue de langage. C'est pourquoi le langage relève de la privation, qu'il s'agisse d'un tort ou d'un empêchement qui serait constitutif, et jamais, à mon sens ici, d'un néant. Une dernière remarque avant de commencer, je serai aussi, comme Gaël, continuiste, sur cette question du silence, la position de Lyotard ne me semble pas avoir beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il travaille sur le ou les dehors du langage, ou sur le langage sans dehors, comme nous le rappelle l'argument,
on trouve développé le même thème, si je dirais la même dialectique, mais je ne le ferai pas, du mutisme et de l'inaudible. L'idée que d'un silence qui serait une négation absolue, un autre absolu du langage, ne se rencontre pas, même quand il s'agit de comprendre ce qui borne le discours. En témoigne, et je reviendrai dessus, le texte de 72, plusieurs silences qu'on trouve dans les dispositifs pulsionnels. Je serai donc assez prudente sur le type de dehors dont il s'agit dans ce moment des années 70 de la pensée lyotardienne. Le traitement du silence permet de rappeler que ce dehors est interne, tout comme la figure dont Lyotard dit qu'elle est installée au fond de notre parole, qu'elle s'en prend à nos mots du fond de notre parole. Et le silence s'en prend au logos de l'intérieur, je crois, du langage. Alors, ce que je voudrais faire, je voudrais traiter trois points. Je voudrais d'abord revenir sur cette question de la réduction au silence, le fait d'avoir le langage en moins. Je voudrais ensuite voir les façons dont le langage peut être trahi ou violé à travers différentes formes d'articulation. Et puis, je voudrais terminer en montrant comment Lyotard a aussi travaillé sur la question de la vibration du silence, le fait de faire vibrer le silence. Alors d'abord, la question de la réduction au silence. Le silence, c'est d'abord, je vais dire moins bien ce qui a déjà été dit, le risque de la voix qui s'étouffe, qui devient inaudible. Étouffer la voix, la réduire au silence, voilà ce qui était, dit Lyotard, enjoint aux exécutants de la solution finale, taire leurs actes, mais aussi rendre les victimes muettes. La mort doit être silencieuse, c'est la mort de la mort dont parle Adorno. Et c'est le pire, le silence de mort. Ce serait là, dit Lyotard, le crime parfait, dit ailleurs le délit parfait, qui ne consiste pas à tuer la victime ou les témoins, ce qui augmente les torts, mais à obtenir le silence des témoins, la surdité des juges et l'inconsistance des témoignages. C'est en quoi consiste la réduction au silence, si destinateur, destinataire et sens du témoignage se trouvent neutralisés. Tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de dommage, comme si la plainte n'avait aucun référent, et c'est l'impunité garantie. Le silence est alors compris comme signe du différent, défini comme l'état instable et l'instant où quelque chose qui doit, et j'insiste sur le doit, pouvoir être mis en phrase, ne peut pas l'être encore. Il y a silence, car ce signale de la sorte une impossibilité de phraser. Celui qui a à témoigner est réduit au silence. Le silence est un événement, comme l'a rappelé ce matin Jean-Michel, hein, il arrive comme la phrase, mais il ne présente pas un univers dans lequel des individus seraient situés comme destinataires de ces phrases. Cela ne signifie pas qu'il soit rien, mais que la présence qu'il signale n'est pas présentable. Dans ce cas, le silence est compris comme une phrase négative, phrase qui en appelle néanmoins d'autres possibles. Un sentiment de peine accompagne ce silence, et c'est un point très important. C'est le sentiment, dit-il, qui nous envahit quand nous ne parvenons pas à trouver nos mots. On reste sans voix. Encore faudrait-il savoir, et cette analyse causale est problématique, dit-il, si ce sentiment silencieux résulte d'une impossibilité de phraser un événement ou s'il est cause de cette carence. Ces silences sont des substituts de phrases. Ils viennent en lieu et place de phrases négatives, comme « ce n'est pas le cas »,« ça n'existe pas »,« ce n'est pas signifiable »,« ce n'est pas de mon ressort ». En effet, dit Lyotard, le silence signale, dans ce cas, qu'une ou des instances sont niées, sans que soit précisé quelle instance est niée. Le cas qu'il analyse plus spécifiquement, le type de tort, c'est évidemment celui du silence des chambres à gaz. C'est un silence qu'il s'agit ici de lever avec les quatre négations qu'il suppose. Les quatre négations, je vous les rappelle, il n'y a pas eu de chambre à gaz. S'il y en a eu, ça ne peut pas être formulé. Si cela ne peut l'être, personne n'a autorité pour le faire. Dernière négation, personne n'a autorité pour l'entendre. C'est un silence qu'il faut lever. Il y a donc quelque chose à phraser et des phrases en souffrance. L'enjeu pour la philosophie, la littérature et la politique, dit-il, est alors de témoigner de ces différents, d'être sensible à ces silences en leur trouvant des idiomes. Un sentiment de plaisir spécifique, dit-il, accompagne l'invention de ces nouveaux idiomes, et il s'agit de permettre l'institution d'idiomes qui n'existaient pas encore. Évidemment, ces nouveaux idiomes peuvent se révéler ambivalents, et c'est ce qu'il dit dans le différent à propos du marxisme, qui
de Marx, qui à la fois aurait su écouter ce sentiment silencieux de ceux dont la finalité du capital s'est subordonner le discours, a fait taire la voix. Il dit, c'est ainsi que le marxisme n'a pas fini comme sentiment du différent. Et puis, en même temps, le type de discours produit reconduit l'imposition au silence de ce différent avec la figure du grand récit. Cette invention, elle est difficile et elle est importante car le tort ne peut être reconnu simplement par la traduction dans un idiome commun. Lyotard insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'en formant l'État d'Israël, les survivants ont mis un terme au silence auquel ils étaient condamnés en se mettant à parler dans l'idiome commun du droit international. Mais c'est, ajoute-t-il, toujours transformer le tort en dommage et le différent en litige. Et la réalité du tort subi à Auschwitz restait se faisant à charge. S'il y a silence imposé à la connaissance, et c'est ce qu'il explique sur le fait que la quantification exacte du crime nous manquera toujours, rien n'impose le silence de l'oubli, ce qu'il appelle le silence de l'oubli, qu'il faut travailler à dissiper. L'historien est en partie réduit au silence car les preuves ont été détruites, le tort fait aux victimes les condamne au silence, on ne trouvera pas le témoin des chambres à gaz que réclame Forisson. La destruction est telle avec Auschwitz que quelque chose devient simple signe, dit-il, et non plus fait. Mais ce silence est signe de quelque chose qui doit pouvoir être mis en phrase, que quelque chose reste à phraser. Je cite la quantité du silence. Le silence indique que des phrases sont en souffrance de leur événement. Alors, c'était peut-être le premier point, la question de la réduction au silence. J'en viens à mon deuxième point, la question de l'articulation et de l'articulation qui trahit. Le silence, c'est certes le risque d'une voix qui s'étouffe, devenue de ce fait inaudible, mais c'est aussi ce qui, dans la voix, est souffle inaudible, dit Lyotard. C'est l'alliance de ma voix avec une voix qui n'est pas la mienne. Et Lyotard rappelle ici que la première lettre de l'écriture hébraïque, il le rappelle dans Chambre sourde, s'entend à peine, c'est, dit-il, un souffle avant le souffle, la disposition du gosier à s'ouvrir quand il se prépare à voiser. Il appartient au récit juif de narrer cette perte ou cet oubli constitutif de la voix, son silence, et ainsi d'honorer sa présence imprésentée. La phrase affecte, je le rappelle, possède cette caractéristique d'être inarticulée. Je vous rappelle, une phrase est articulée si elle présente un univers. La phrase affecte signale un sens d'une seule sorte, plaisir et ou peine. Elle ne possède pas de référent, pas de destinateur, pas de destinataire. C'est un signal. Un état affectif est le signe de cet état. La phrase affecte n'est pas destinée, elle survient de façon impromptue. Des phrases articulées peuvent ainsi tenter de donner un référent à la phrase affecte, dire de quoi elle parle, de lui donner un destinateur ou de lui donner un destinataire, de dire à qui elle s'adresse. Mais, dit Lyotard, s'adresser à quelqu'un, ce serait parler une sorte de langage. Cette tentative, celle de l'articuler, vise, on va le voir, à la rendre tolérable. Je reviens peut-être un petit peu en amont. Il y a en réalité deux risques, ou plutôt deux tentations avec ce silence-là, celui de l'affect, souligne Lyotard dans Lecture d'enfance. Il y a celui dont on parle peut-être pas assez, d'hypostasier la phonée, la voix muette, en entité métaphysique, d'un absolument autre. Et il y a le risque dont on a peut-être plus parlé, de ramener la phonée à l'articulation, via en particulier, dit-il, une rhétorique des passions. Si on met l'accent, et je vais le faire aussi sur la seconde tentation, la question de l'articulation, il ne faut pas oublier la première, et Lyotard se gardera toujours de faire de ce silence, de ce mutisme, de ce reste, l'objet d'une mystique. Il ne s'agit pas, dit-il, dans l'inaudible, d'un mystère, car le silence fait signe à la sensibilité ordinaire, quoi qu'il se situe, comme on préfère, en deçà ou au-delà d'elle. C'est pourquoi on entrevoit un invisible du visuel, un inaudible du sonore, alors que le mystère, lui, serait totalement crypté, ne ferait pas signe. Alors, et qu'est-ce que c'est ce mutisme ? Est muet, silencieux, tout ce qui relève d'abord du délié, tout ce que l'appareil psychique ne peut pas synthétiser, la fureur, mélange de plaisir et de douleur, mais mélange disjoint. Je cite les lectures d'enfance.
ce silence terrible, furieux, qui traîne en lui comme un nuage de matière vaine et interdite, cette tête de méduse en lui. Freud caractérise le plus souvent cet affect inconscient comme l'angoisse. Effectivement, on peut rappeler que l'angoisse désigne la quantité d'énergie qui est non liée dans le dispositif freudien. Lyotard va exploiter cette piste-là dans plusieurs silences, en particulier, revenant sur le caractère silencieux, selon Freud, du travail interne de la pulsion de mort. La pulsion de mort est présentée comme une énergie qui n'a pas d'oreille pour l'unité, pour le travail organique de composition et de répression du manque, travail opéré par Eros. Ce dernier est comparé par Lyotard au compositeur de musique. Si la pulsion de mort ne s'entend pas, c'est qu'elle est sourde et étrangère à l'économie libidinale, aux règles de composition qui régissent par contre l'écoute du sujet. Il n'y a pas ainsi, dit-il, de silence des organes, sauf pour une oreille, dit-il, policée ou policière, car l'organisme fait un bruit fou. En effet, pour Freud, rappelons-le, et je cite le moi et le ça, les pulsions de mort sont pour l'essentiel muettes et le bruit de la vie provient surtout d'Eros. L'idéal de santé, dit-il dans plusieurs silences, l'idéal de santé silencieux, le silence des organes, c'est, dit-il, la névrose de l'Europe qui travaille à faire taire les pulsions des liaisons. Ce silence résulte du travail de la bonne forme, de l'organisme, de l'écriture, pour vider, purger, effacer du corps tous les bruits sons. On voit ici déjà apparaître deux niveaux de silence. Je noterai pour l'instant trois choses. D'abord, ce qui s'entend, c'est le son, l'accord organique, celui du corps chef d'orchestre. Deuxièmement, le corps inorganique, celui des intensités, fait du bruit, mais le sujet de l'économie y est sourd, ne l'entend pas. Troisièmement, le bruit, ou plutôt, il dit les bruissements, sont l'objet d'un effacement de la part du corps organique. Il y a donc déjà deux silences, celui de l'inaudible et celui auquel celui-ci est réduit par la loi de l'audible. Il y a deux logiques et deux silences. S'il y a deux logiques et deux silences, on comprend que Lyotard refuse, avec Adorno, d'imputer la désensibilisation du matériau exclusivement à la société industrielle et à ses techniques. Ce serait négliger l'altérité, dit-il, des deux logiques sonores. Lyotard reprend les mots de Cage, « il n'y a pas de silence », au sens où il n'y a pas qu'une logique sonore, mais une limite, et qu'on ne peut jamais établir tout bruit comme son. Le son, celui qui sonne clairement et qui entre en composition avec d'autres, relève des processus secondaires, dit-il. C'est un bruit lié, rapporté à une articulation du continuum sonore. La composition qui produit de la musique, celle de l'audible, conduit à exclure des bruits de régions entières du corps. Au début de l'inaudible, Lyotard cite ainsi cette formule de Pierre Schaeffer, le son prodigue d'immenses restes. Le corps organique et phénoménologique rejette ces bruits qui ne sont pas entendus, si bien que des régions entières du corps semblent insensibles. Lyotard présente la musique comme une superposition d'écrans qui empêche par principe la production de certains bruits. Ainsi, dit-il, la cantatrice, si elle ne doit pas oublier son texte, ne doit pas non plus quand elle chante éternuer. Toute dissonance se trouve ainsi résorbée au profit, par exemple, de l'accord musical. La phonée, dit Lyotard ailleurs, est bannie du langage humain, car cette communication mutique est faite d'inspiration, d'expiration, d'air non discrète, de grognement, de halètement, de soupir. Il n'est pas facile et rien n'est prévu pour accueillir ces intensités singulières. Pour les entendre, il faudrait commencer, dit-il, par indisposer le corps compositeur, dit-il en plusieurs silences. Pour accéder à la dissonance, il faut cesser de faire marcher l'oreille. On va voir que, certes, nécessairement les entendre et les faire entendre conduit aussi à les métamorphoser et à les trahir. Le silence des opérations de déliaison, ou plutôt la surdité du sujet de l'économie, qu'elle soit libidinale, politique ou sonore, explique pour Lyotard qu'on n'ait pas entendu venir des événements comme la Commune ou mai 68. Prêter l'oreille à un événement et à celui de l'inaudible est la chose la plus difficile du monde, car il s'agit de quelque chose qui survient sortant de rien, et pour lequel nous n'avons pas de sonde adéquate. Comment identifier ce qui est muet ? C'est la difficulté que Freud pointe avec le travail des pulsions de mort,
Ce n'est pas qu'il soit rien, absent, mais c'est, dit-il, dans Au-delà du principe de plaisir, qu'il ne nous frappe pas. L'histoire de la musique semble travailler à minorer, pour Lyotard, cette métamorphose, en tout cas cette trahison du mutisme. Lyotard l'a décrit comme le grand récit de l'émancipation du son. Retrouver ce que peut le matériau sonore, délivrer l'événement matériel comme seul objet musical, faire vivre tout ce qu'on ne peut inclure dans une ligne mélodique. Attention, ce qui fait la valeur d'une œuvre et d'une œuvre musicale ne dépend pas de sa position historique dans cette histoire de la musique. Cette valeur est due à un geste singulier, indépendant de l'époque et de l'école, du courant artistique. Ce qu'il y a d'art dans la pièce musicale dépend d'un geste d'espace-temps-son, dit-il, celui de faire que le son excède l'audible et d'en consigner la trace dans le champ de l'audible. Ce pouvoir de l'œuvre d'indiquer le silence n'est pas le propre de la musique contemporaine, mais on le trouve également, dit-il, dans un Lied de Schumann ou dans une musique no. Je cite l'inaudible, « Le pouvoir d'affecter la sensibilité au-delà de ce qu'elle peut sentir n'appartient pas au temps chronologique. » Certes, on pense, dit Lyotard, plutôt au sérialisme de Vienne, à Debussy, à Satie, à Boulez et surtout à Cage, auquel il semble donner sa préférence. Certes, les artistes qui se sont proposés de travailler à cette émancipation du son, de l'émanciper de la fonction narrative assignée par les formes musicales traditionnelles ou modernes, lui sont chères. Pourtant, ça ne signifie pas que d'autres œuvres n'aient pas ce pouvoir, pour reprendre l'expression de Varèse citée par Lyotard, de dépasser les limites de l'audibilité. Pourtant, il va toujours soutenir que ce paradoxe des musiques contemporaines est le fait de tout art, donner à sentir un arrangement sensible, mais qui suggère ce qui excède et défie les capacités de la structure perceptive, l'insensible, le silence. Simplement, dit-il, on peut dire que les musiques contemporaines extrémisent cet enjeu. C'est le cadre dans lequel Lyotard interprète l'usage psychanalytique du silence dans la cure. Si Freud a saisi la raison d'être du silence de la pulsion de mort, par contre, la mobilisation pratique et l'analyse du silence dans la cure témoignent au contraire d'une logique économique. Le silence de l'analyste, nommé énergétique, doit venir mettre fin au silence de l'hystérique et faire entendre ce qui se tait, ce qui se cache derrière. Face au silence causé par le bruit de l'imaginaire, par la mise en scène fantasmatique qui relègue un reste muet, on mobilise comme tremplin le silence de l'analyste. Comme médium, surtout chez Lacan, le silence de la structure, du symbolique. On parvient alors à dissiper le silence bruit des passions en passant par le silence du signifiant. L'analyste est alors pour Lyotard comparable au compositeur, lui aussi, il se situe du côté du signifiant. En particulier, l'analyse produit une articulation en conférant au silence affectuel, à sa communication mutique, dit-il, une destination. La règle freudienne de l'attention également flottante, permettant de prêter l'oreille au silence, articule celui-ci en présupposant, selon Lyotard, qu'il s'adresse au moins à l'interlocuteur actuel. L'analyste supposerait que le mutisme du questionné lui est adressé. L'analyse du transfert repose d'ailleurs sur cette adresse, ou destination supposée, de la phrase affecte silencieuse. « Pourquoi ne me dites-vous rien ?» dit Lyotard dans l'inarticulé. « Pourquoi est-ce à moi que vous adressez votre affect, auquel vous adressez votre silence, en ne me disant mot ?» Je peux en venir maintenant à mon troisième point, qui est la question de la vibration du silence. Le silence, je l'ai dit, c'est peut-être ce qui ne sonne que trop faiblement, pour que telle oreille grossière le remarque. Et Lyotard évoque ici la figure de la Joséphine de Kafka, hein, qui cible faiblement au point d'être inaudible, des airs que le peuple des souris ont oubliés. Mais le silence nomme aussi ce qui est muet, muet car strident, car il circonscrit le champ de l'audible. Dans Chambre sourde, il nomme strident cet assourdissement que l'oreille ne capte plus, qui excède sa tolérance ou sa capacité. En réalité, ce silence possède deux conditions. Une voix d'en deçà ou au-delà du langage et une surdité de l'oreille. Cette surdité protège cette dernière. Reléguée au silence des vibrations qui pourraient la blesser, cette oreille sans paupières, dit-il, voilà un mécanisme de défense. Nos oreilles sont sourdes à ce qui constitue pour elles un intrus ou une menace. Le silence de cette voix appartient à un fond qui ne voise pas, ne vocalise pas. On retrouve ici la distinction entre phoné inarticulé et logos.
Dans Musique mutique, Lyotard indique que l'aton, sous l'audible, gît un souffle qui ne parle pas mais qui geint, qui grommelle. Il ne s'entend pas mais il sonne pourtant. Geindre, dit-il, n'a pas vraiment de ton mais des modes. Ce souffle, dit-il, dans Musique mutique, c'est l'affect. Ce sont les rythmes et les nuances affectuelles, plaisir, peine, dépression, qui modalisent après coup ce son du silence, dit-il dans Chambre sourde. Les grandes douleurs et les joies déchirantes sont muettes, la stupeur nous rend imbéciles. Il dit ailleurs que le son bruit n'est pas un matériau qui relève de l'usage, qui possède une destination, mais une énergie qu'il faut distinguer de la matière en forme, qui est lisible et audible. Lyotard, on le perçoit, ne forge pas une conception ironique du tout du silence, car l'audible ne désigne pas qu'un seuil infime, indécelable de l'audible, mais aussi le cri strident qui manque de tenue, de retenue et qui nargue la décence des ondes, dit-il. Un cri qui peut aussi rendre sourd. Il évoque l'atroce cacophonie, il évoque la voix d'Artaud, il évoque le chuintement, mais aussi le ululement des strigiformes. Il parle de râle muet, de violence muette, de crécelle inaudible, de souffle de l'épouvante, de souffle de terreur. Dans plusieurs silences, il parle aussi de ces dissonances, stridences, silences vraiment exagérés, laids. Comme l'affirme Lyotard dans Lecture d'enfance, cette phoné fait des histoires au discours. Ce n'est pas un silence tranquille ou facile, ni confortable. Cette surdité, elle semble naturelle, naturellement défensive, je l'ai dit. Et la voix silencieuse est hors de portée de l'ouïe. Il n'est pas, indique Lyotard, d'initiation à l'autre de l'audible dans Chambre sourde. Cet au-delà de la voix, ce silence, est irrémissible et procède du clivage fondamental, de l'aliénation première et vraie. Cet oubli de l'oubli est nécessaire car ce silence de la voix n'est pas perçu, inconnu, jamais entendu, absolument oublié par position, dit-il. Bien sûr, tenter d'inscrire dans le registre de l'audible serait trahir le silence et étouffer la stridence. C'est par confort et sécurité, pour apprivoiser, je l'ai dit, que nous tentons cette traduction impossible, car contrairement à deux langues, la stridence n'est pas commensurable à la parole. Pourtant, ces sons, ou plutôt ces bruits, auxquels nos oreilles sont naturellement sourdes, auxquels elles restent inertes, nos oreilles sont sourdes à ce que le son peut, dit-il dans l'inaudible, il est possible de s'y rendre sensible, je dirais passible, si nous passons, dit-il, les bornes de notre écoute, si nous rendons à l'écoute la puissance d'être touchés par l'inaudible. Il n'est pas absolument impossible au moi d'écouter en deçà et au-delà de l'audible, de se rendre sensible à ce qui lui est insensible dans la voix. Mais cette rencontre est aléatoire et nulle voix silencieuse n'est jamais assurée de rencontrer l'oreille qui se rendra passible à sa stridence. Personne n'est responsable de cette glose, il n'y a aucune garantie. C'est aussi pourquoi Lyotard affirmait que nulle technique, style, école n'est à privilégier pour transcender la sensibilité auditive. Je pourrais le développer, mais je passe. Lyotard voit dans l'œuvre, celle qui opère un désœuvrement, une tentative pour dénuder le moi, le pousser vers cet inhumain qui se tait. C'est pourquoi, dit-il, l'œuvre est ce qui peut s'ériger en silence du silence. Pas n'importe quelle œuvre, celle de Malraux, le Malraux des antimémoires et des voix du silence, celle de Rose Franken, mais aussi, dit-il, dans Chambre sourde, le haïku, le petit lavis insubstantiel, geste dont le silence défie les lectures interprétantes. Ces œuvres-là peuvent suggérer l'au-delà des réponses, comme il dit, le silence. On retrouve ici la conception qu'il a forgée de l'art moderne dans Discours figure et dans Dérive, comme la déconstruction d'une écriture. Qu'on puisse tous ressentir la présence inaudible de la voix silencieuse ne signifie pas que nous soyons tous artistes. Certes, on peut se rendre accessible à la stridence, mais les œuvres, l'art, l'écriture, ajoute Lyotard, exigent que l'excédence silencieuse soit suppliée et voulue. Il s'agit d'une écoute plus aiguë qui se distingue de toute démarche expressive. Ces œuvres, note-t-il, n'expriment pas, mais évoquent le silence. Il prend ainsi, suivant Adorno, ses distances avec l'idée romantique d'expression et d'expression du silence. On trouve chez Malraux en particulier un inoubli de cet oubli ou une écoute de l'inaudible, ce qu'il explique dans La chambre sourde. Malraux aurait trouvé les moyens de faire entendre l'expérience muette de ce qu'il nomme le « je sans moi » et cela sans violer son silence.
Parmi les exemples qu'en donne Lyotard dans Chambre sourde, les anacolutes que l'auteur des Antimémoires prise tant dans la vie de Rancé, qui imposent silence à la trame des intrigues et laissent bruire le mutisme qu'elles couvrent. Le travail sur Malraux permet à Lyotard de cerner le style comme médium privilégié, style qui ne se dresse qu'à la vibration du silence. Le style est ce qui permet de faire résonner le silence des affects, d'attraper l'inouï. Le but est bien dans l'œuvre de faire, dit-il peut-être, parfois, un instant, vibrer le silence, vibrer la vérité mutique. Le style de Malraux en particulier est ce qui pourrait ouvrir la chambre sourde pour que se fassent entendre les vibrations muettes qu'on n'entend presque plus. L'œuvre sonore peut, elle aussi, laisser entendre un geste sonore inaudible et latent. Bien plus, selon Lyotard, l'inaudible de l'œuvre ne sera musical que s'il évoque l'inaudible, soit de la matière sonore sans forme. C'est dans musique mutique. Il faut que la musique soit mutique sous les musiques, que ces phrases, si claires soient-elles, meuglent en silence l'épouvante, laissent bruire le souffle de terreur, qui est sourd mais pas muet. La musique travaille, dit-il, à accoucher l'audible du souffle inaudible. Il faut faire chanter le silence muet, qui sinon est terrible, si on veut l'évoquer. Mettant en phrase, inévitablement, elle trahit le silence en lui donnant forme. Le geste musical donne forme à la plainte inaudible pour la porter vers l'audible. Ainsi, il la couvre et la manque. Mais cela est aussi gros de promesses, dit-il. Il peut y avoir dans les évocations du silence, qui ne sont pas des articulations, une dimension de promesse. Ce travail, à la fois vain, évoque malgré tout dans la langue musicale le souffle d'épouvante dont je parlais. Il semble... peut-être il faut que je conclue. Alors, je passe toute la question, le commentaire de l'œuvre de Ruth Franken dans La brûlure du silence, qui permet de montrer que le silence n'est pas seulement sonore, mais aussi visuel, qu'il y a un silence visuel à l'œuvre, dans l'œuvre visible, et tout ce qui montre à partir de ça. Et puis je passe aussi la question du silence dans la confession d'Augustin. J'essaye de conclure brièvement. Face au paradoxe de l'inaudibilité, il s'agit, Lyotard, dans l'inaudible, d'étendre le concept de l'inaudible et les moyens d'en porter témoignage, tout en protégeant ces silences des articulations déformantes, parce que formatrices. C'est pourquoi il conclut l'inaudible en louant la sagesse de celui qui empêcha l'édification complète de la tour de Babel, qui signait la compréhension et la transparence des idiomes. Il a, dit-il, sauvegardé l'inaudible. On comprend qu'il n'existe pas au fond pour Lyotard véritablement de silence, pour le Lyotard selon lequel il n'y a que des phrases. Il est ainsi assez freudien, même le silence fait signe. En cela, Lyotard développe, à l'égard d'autres penseurs français des années 50, 60 et 70, une pensée originale, car ceux-ci ont plutôt travaillé à défendre un silence dépourvu de sens. J'évoque deux exemples pour finir, les développements de bataille sur... le silence de la mort qui ne veut rien dire, dont il n'y a rien à dire, hein, son regret de notre impuissance à nous taire, l'espoir, comme dit Derrida dans son commentaire, de trouver une parole qui garde le silence, mais aussi autre figure très différente, la figure chez Baudrillard des majorités silencieuses qui n'ont rien à nous dire. Le silence n'est donc pas un dehors du langage, un autre étranger à la phrase. C'est pourquoi Lyotard peut affirmer, dans plusieurs silences, que l'alternative pertinente n'est pas bruit ou silence. On trouvait déjà ça chez Freud, il y a plus de deux termes ou possibilités sonores, car on dénombre le silence des pulsions de mort, dont le travail ne nous frappe pas, le bruit de la vie qui provient d'Eros, mais aussi, souligne Freud, le silence du refoulement qui s'effectue sans que nous ne recevions aucune information sur lui. Alors, dit-il, que ce qui fait grand bruit, c'est le processus de guérison. Dernier point, le silence est donc le nom d'autre chose et reste à savoir de quoi il est le nom. Et il y a là plusieurs réponses, et il y a bien pour Lyotard plusieurs silences, quoique ceci soit connexe. Le silence auquel on se trouve réduit quand il y a différent, le silence ensuite constitutif de l'inaudible, le silence, dans les deux cas, aucun néant sonore, mais des phrases, soit empêchées, entravées, soit impossibles à entendre pour le sujet, muette parce qu'il est sourd. Les deux silences distincts sont pourtant souvent complices. Il est bien plus facile de réduire au silence et de faire tort
à ce qui est constitutivement silencieux, inaudible et phonique. Cette pluralité reste néanmoins assez peu diversifiée, et peut-être je ne développerai pas ma critique, et ça reste des formes de privation. Il est vrai que Lyotard explique dans Le Différent que pour que parler ait un sens, il faut pouvoir se taire, sinon parler serait une nécessité. Pourtant, si faire silence est le substitut d'une phrase négative, si se taire signe un phrasé, soit empêché, soit impossible, il fait du silence toujours quelque chose de douloureux ou de compliqué ou d'intranquille. Quand Lyotard ajoute que le sentiment principal qui accompagne le silence, c'est le sentiment de peine, on peut se demander si une typologie des silences plus complète ne ferait pas droit à des silences heureux, à des silences tranquilles, outre le fait qu'elle évoquerait peut-être des silences complets et des silences ne faisant absolument pas signe. Je pense que c'est une chose qui a été travaillée dans certaines théories psychanalytiques des silences, et je pense à la théorie psychanalytique des silences que développe Michael Balint dans Les voies de la régression. Je m'arrêterai là. Merci. Nous remercions Claire Pagès et je passe tout de suite la parole à la salle après cette conférence magnifique. Oui. Il se regrette tout de même le silence vis-à-vis de la chose chez Ruth Franken. Oui, c'est un texte extraordinaire. Oui, parce que ça aurait peut-être pu apporter une pierre. Sur le silence visuel, qui est intéressant. Oui. J'avais une question à propos du vide et du silence, parce que il y a le vide entre les phrases. Oui. C'est la condition pour une certaine impossibilité d'une concaténation correcte, si l'on veut. Quel serait le rapport entre le vide qui semble absolu et le silence que vous avez décrit d'une manière vraiment très très belle comme quelque chose qui justement ne permet pas ce genre d'absolu? Oui, je n'avais pas du tout pensé à ça. Effectivement, il y a peut-être entre les phrases ce rien sur lequel il travaillait aussi avec la question de la structure avant dans Discours-Figure, qui est présent dans la pensée structurale. Et peut-être il dit ça aussi quand il dit... Alors il faut pouvoir, pour que parler ait un sens, il faut pouvoir se taire, mais il faut peut-être aussi qu'il y ait de la discontinuité. Ce serait cette discontinuité qui serait le silence. Ce serait le discontinu. Oui, j'avais pas pensé à ça du tout, mais je crois qu'effectivement, ce serait une piste plus intéressante. Par exemple, le mot de Blanc qu'il utilise dans son commentaire et qui veut dire justement l'interruption. Ce que vous dites, le silence va toujours vers un signe. Mais malgré tout, il y a des textes où il essaye de penser ce silence comme justement cette pure interruption. Et autour du vide, qu'il nomme Blanc dans son commentaire du peintre Arakawa. Ah oui. Donc, alors une autre question pour la sérénité. Est-ce que du côté du silence, quand il commentait Burke et le sentiment du sublime, il parlait justement d'un moment de silence qui était lié au sublime et dont il disait que c'était peine et joie? Et pas simplement peine. Et, pas simplement et donc peine. Là, il y avait quand même aussi, me semble-t-il, une veine peut-être qu'on aurait pu travailler, parce que sur la sentimentalité, elle est entièrement travaillée par vous, comme en effet... Oui, parce que j'étais étonnée. Et effectivement, il ne dit pas la même chose dans tous les textes. Il y a des textes où il dit c'est peine et joie, et puis il y a des textes, les textes différents, il dit c'est le sentiment de peine, et ce qui fait plaisir, c'est quand on trouve l'idiome. Alors peut-être c'est pas le même silence, c'est pas les mêmes cas qui sont visés, mais j'étais quand même un peu heurtée par le fait que c'était toujours quelque chose de très intranquille, alors qu'on pouvait trouver phénoménologiquement plein d'exemples de silence qui témoignent, si on est capable de se taire, c'est qu'il y a une tranquillité sentimentale ou d'esprit, c'est qu'on peut se reposer dans un espace qui est agréable, où c'est pas privatif, mais au contraire la possibilité de se taire
elle vient de quelque chose de plaisant. C'est-à-dire que la question, c'est la stupeur, par exemple, dans le sentiment du sublime, oui. quand ah. il avait beaucoup utilisé le texte de Burke, il la mettait tout de même sous l'idée de quelque chose qui est une forme de joie et qui est une joie dévastatrice. Donc, si vous voulez, c'est vrai que les textes que vous citez sont sur le mot, à partir de Quignard, etc., sont sur le allaitement, etc. Mais il y avait aussi dans Que peindre beaucoup de moments, ou même le texte sur le visage, paysage, il y avait des moments où, en définitive, ce silence de la chose vue, râpé par la matière, était de l'ordre d'une stupeur qui faisait joie. Et je pense que dans l'Augustin, on a aussi cette ambivalence du motif. Alors que pas, évidemment, chez Malraux. Oui, c'est ça. Peut-être j'ai pris trop le Malraux comme angle d'attaque. Juste pour différentes faces sentimentales de ce silence. Merci. Corinne, peut-être après. Ah oui, pardon. Gaëlle. Gaëlle qui... Oui, 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 c'est vrai, le mot merveille. C'est toujours pareil, c'est une question antinomique. Oui. Alors, monsieur. Je pense que c'est le défait du silence, de l'absence d'enchaînement, de cette espèce de discontinuité. Et vous, Claire, vous la rapportez à la différence structurale, et je ne crois pas. Ce qui est dit, c'est que pour le temps, c'est dans le discours, puisque c'est la question de l'enchaînement. C'est pas dans la langue, c'est pas dans la langue, c'est dans le discours. Si ce silence-là n'est pas dû à un silence d'empêchement, je pense que c'est très difficile de lui trouver un statut, parce que c'est pas un silence qui se reconnaît au son. Ceci dit, tout ce que vous avez fait sur le son, je trouve ça magnifique. Mais je ne suis pas sûre que l'absence d'enchaînement soit une question de sonorisation. On peut très bien, enfin, c'est trop banal, mais on peut très bien imaginer qu'une parole vide, une parole pour ne rien dire, une espèce de façon Donc cette discontinuité-là, je ne suis même pas sûre qu'elle soit de l'ordre de l'affect. Je ne sais pas quel statut lui donner. Je voulais juste. Ah oui, parce que si elle est de l'ordre de l'affect, elle fait signe. Et c'est plus. C'est une phrase dans ces cas-là. C'est pas une discontinuité. C'est ça. Et je pense que c'est parce que, justement, l'adversaire, en quelque sorte, c'est le discours en tant qu'il est continu. Parce que c'est toujours le thème depuis Discofigure qui est que le temps refoule et que donc si on enchaîne, enfin, c'est le thème de la hâte aussi, et que donc il faut couper, c'est lié à la pluralité, il faut couper. Alors il y a là une leçon aussi, mais vous l'avez dit, de Lacan et du signifiant. C'est-à-dire comment on est dans la discontinuité. Mais je pense que dans sa problématique à lui, c'est autre chose. Oui, Jean-Louis. Je ne sais pas moi. Je me demande si au fond tout ce qui a été dit de manière très très juste sur les équivoques ou les antinomies, ainsi de suite, sur le thème même du silence, ne provient pas tout simplement du fait qu'au fond. C'est un autre nom, c'est un nom utilisé par Lyotard, au fond, pour repenser l'inconscient d'une certaine manière. C'est parce qu'on repense l'inconscient d'une certaine manière, c'est à la fois comme inconscient qui n'est pas lacanien, donc ce qui fait effectivement, à ce moment-là, ce qui empêche de penser effectivement, me semble-t-il, simplement comme vide de la case qui se déplace. Et donc à la place, effectivement, il y a une sorte de continuité qui est de bruissement, cette espèce de silence qui est le bruissement, ainsi de suite. Mais je veux dire que c'est des équivoques, au fond, des complications, si vous voulez, me semble-t-il, enfin, je le dis comme ça, de la lecture, au fond, que Lyotard fait de Freud et de l'inconscient, que nous retrouvons, si vous voulez, dans ce qu'il baptise, dans ce qu'il nomme silence, et qu'on retrouve également naturellement dans la figure, qu'on retrouve effectivement
parmi dans les frontières qu'il a créé à voir avec l'enfance et ainsi de suite. Il me semble que c'est, au fond, si on reprend les choses plus, c'est toujours ce truc qui existe depuis Discours et figure, hein, comme disait Corinne, qui est une espèce de bataille permanente avec Freud et une certaine lecture de Freud, une certaine lecture qu'il accepte, une autre qu'il refuse, et ainsi de suite. Enfin, comme ça, voilà. Mais ce qui est quand même assez passionnant, c'est les différentes modalités de qualité qu'il lui donne avec des variations. Là, vous l'avez fait de façon, voire de façon remarquable, et qui fait qu'il y a une fidélité à un motif, et en même temps, il est retravaillé d'une telle façon que parfois, il est étonnant. C'est la terreur et le bleu de grêle, c'est les deux en même temps. Oui. Mais bon, si vous voulez parler, y intervenir. Poser une question parce que vous avez parlé des bruissements, des dissonances dans la musique. Qu'en est-il justement du silence? Le silence joue un rôle dans la notation musicale, tout simplement. Est-ce qu'il en parle? On parle pas de ça. Je vois pas de. Il n'en parle pas. Je vois pas de. J'ai pas trouvé de. Alors moi, je suis pas musicienne de tout, mais j'ai pas trouvé de mention de ça. Ça, c'est de l'ordre de l'écriture musicale. Ouais. Non, parce qu'il n'y a pas de note du tout. Non, il y a des signes qui indiquent la pause, le silence, ouais. d'une certaine durée. Dans toute, pour ce qui est de la composition classique, pour la composition contemporaine, ça pourrait être rattrapé par le rythme, il y a beaucoup de choses sur le rythme, ça complète simplement, qui est une réflexion sur ce retard. D'une certaine manière, la pause musicale marche sur le rythme, bien évidemment. Il y a quelque chose sur le ostinato, des choses sur le retard, il y a beaucoup de choses sur le retard. Même chose, on pourrait dire que sur les bruits qui sont les antisilences des œuvres contemporaines où le corps est travaillé et que. Il y a une manière d'utiliser des instruments qui vise à détruire le beau son, qui est une forme de silence, par ailleurs. Mais je ne crois pas, il n'y a pas de texte de Lyotard où il fait mention, parce que c'est la technique compositionnelle, l'écriture musicale. Je n'ai pas trouvé. Ça l'intéresse, enfin bon, ce n'est pas son problème. D'autres questions? Nous allons passer peut-être à notre...